Je marchais par ici lorsque j'ai aperçu un objet par terre. Je l'ai ramassé. J'étais avec un autre garçon et nous avons décidé de l'ouvrir pour voir ce que c'était. Tout à coup, il a explosé dans ma main. Il y avait du sang partout. L'histoire de Kabir est classique en Afghanistan, où des milliers de personnes, victimes d'engins explosifs, se retrouvent handicapées. Bien qu'officiellement en paix, le pays est jonché de débris meurtriers, laissés par plus de 25 années de guerre. Les enfants sont tout particulièrement en danger. Kabir et sa famille vivent dans le village d'Al-Qajar, dans le nord de l'Afghanistan, où se sont affrontées forces américaines et talibans lors de l'invasion de 2001. Boumani, la cousine de Kabir, a 9 ans. Lorsqu'elle était toute petite, elle a perdu ses deux pieds dans un accident dû à une mine. Il y a 2 ans, c'est le père de Kabir qui a marché sur une mine et boite depuis. Ses infirmités mettent à rude épreuve la vie de famille. Travailleurs agricoles, ils servent de main-d'œuvre aux fermiers. À eux tous, ils gagnent environ 150 afghanis, l'équivalent de 3 dollars pour désherber une bande de terre de champs d'oignons. C'est peu pour subvenir aux besoins de toute une famille. Au début, nous étions 4. Maintenant, nous ne sommes plus que 3. Avant l'accident de mon fils, nous avions vite fait de nettoyer le champ. Aujourd'hui, ça nous prend plus longtemps, car Kabir ne travaille plus qu'avec une main. Nous ne sommes plus aussi rapides que nous l'étions auparavant. Les enfants risquent en permanence d'être victimes d'un accident dans leur vie de tous les jours. Pour se rendre à l'école, ils doivent traverser un champ de mine. Les pierres rouges signalent un danger, la zone marquée en blanc est sans risque. Le déminage est en cours, mais il est lent et coûteux. La tâche est considérable. De nombreuses mines ont été posées au cours de l'invasion soviétique de 1979, ensuite lors des différents épisodes du conflit interne, sans compter les engins explosifs largués à l'époque des bombardements américains de 2001. Les dangers que représentent les mines entravent les travaux de reconstruction nécessaires après des décennies de destruction. Mais en attendant, la vie continue. Les gens doivent apprendre à vivre avec le danger. Voyager sur les routes afghanes est toujours une entreprise périlleuse. Les abords des routes sont sévèrement minés. Mohamed Shaf et son frère se relaient au volant de leur minibus entre Mazar-e-Sharif et Shulgara. Ils gagnent bien leur vie en transportant les passagers, même si cela n'est pas sans risque. Il y a beaucoup de dangers sur les routes, elles ne sont pas sûres. J'espère qu'elles seront déminées au plus vite, si Dieu le veut. Il y a longtemps qu'ils disent qu'ils veulent rendre les routes plus sûres, mais le problème des mines n'est toujours pas résolu. S'il m'arrivait de rouler sur un de ces engins, mon bus exploserait. Pas de doute que nous prenons des risques, moi et mes passagers. Nous pourrions tous mourir. Comme on dit en Afghanistan, mieux vaut tard que jamais, pourvu qu'on arrive sain et sauf. Moi, je ne tiens pas à mourir. Des séances de prévention contre les dangers des mines sont organisées par le Comité international de la Croix-Rouge. À Mazar-e-Sharif, ses chauffeurs écoutent attentivement les conseils. Ne pas s'éloigner de la chaussée, ne pas prendre de raccourcis, ne pas suivre de près des convois militaires qui, dans la situation de sécurité actuelle, risquent de sauter sur des mines fraîchement posées à leur intention. Les chauffeurs ont tous des histoires d'accidents à raconter, des situations où ils ont frôlé la mort. Il est important que les chauffeurs de bus soient conscients des conditions de sécurité qui prévalent sur les routes. Si un conducteur heurte une mine, une seule personne risque d'être tuée. Mais dans le cas d'un bus rempli de passagers, le nombre de victimes est susceptible d'être bien plus élevé. Thank you.
Oumina, Kabir et son père sont arrivés à destination. Il faut 2 heures pour parcourir les 65 kilomètres qui séparent leur village de Mazar-e-Sharif. Avec leur handicap, ces jeunes gens mettront longtemps pour trouver un travail et se construire un avenir. En Afghanistan, les personnes handicapées ont de la peine à mener une vie décente. Elles n'y arrivent parfois pas. Des formations et des programmes de microcrédit ont été mis en place par le CICR pour leur venir en aide. Parmi les initiateurs de ces projets, Mohamed Issa, lui-même handicapé. Les handicapés sont parmi les personnes les plus vulnérables de notre société. Sur le plan physique, ils ont besoin de rééducation et sur le plan social, de réintégration. Notre but, notre objectif est qu'ils deviennent indépendants, ce qui demande qu'ils soient autosuffisants et puissent vaquer à leur occupation sans l'aide de personne. Des cours de couture et de confection de vêtements permettent à ces femmes de développer de nouvelles compétences. Une fois la formation terminée, elles pourront travailler chez elles, individuellement ou en groupe. À ce jour, la formule a permis de former plus de 6000 personnes, dont certains ont pu lancer un commerce. Un début modeste, mais néanmoins le moyen pour les handicapés d'Afghanistan de contribuer à la reconstruction et au relèvement de leur propre pays.